Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Émilien Durocher et je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble tout le matériel que tu as besoin pour jouer du violon. Donc, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Première chose que tu as besoin pour jouer du violon, c'est un peu un incontournable. Ça te prend l'instrument, donc ça va te prendre un violon. Alors, première chose à te procurer, un violon, tout simplement. Deuxième chose également, incontournable, donc pour produire un son sur le violon, autre qu'en pizzicato, ça va te prendre un archet. Donc l'archet, lui, va te permettre de jouer sur ton violon, sur les cordes. Alors évidemment, c'est un deuxième incontournable à avoir. Donc archet et violon, c'est vraiment la base. Mais maintenant, je vais te montrer plusieurs accessoires très importants et très utiles. La première chose, c'est une épaulière. Donc une épaulière ressemble à ça ici. Alors, c'est tout simplement pour mettre sur notre épaule. Donc, le violon va se déposer par-dessus. Alors, on vient attacher l'épaulière sur notre violon pour le déposer, ce qui rend le tout plus confortable. Une autre alternative pour éviter d'acheter une épaulière, c'est d'avoir une serviette. Donc, vous pouvez prendre tout simplement une serviette, vous la déposez sur l'épaule. Donc, une épaulière ou une serviette, très 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 utile. Autre chose bien utile, mais cette fois-ci en lien avec l'archet, c'est de l'arc-en-son. Donc, aussi connu sous le nom de la colophane. Alors, ce que ça fait l'arc-en-son, c'est que on va la frotter sur l'archet et ça va permettre de frotter les cordes. Donc, ça donne un accrochement entre les poils de l'archet et les cordes du violon. Donc, c'est le but d'utiliser l'arc-en-son ou la colophane. Quelque chose, évidemment, d'indispensable à avoir pour produire un son avec l'archet. Autre chose assez indispensable pour maintenir son violon propre va être un chiffon. Donc n'importe quelle serviette, peut-être type plus microfibre, va être l'idéal. Donc un chiffon doux qui va permettre de frotter les cordes. Donc après chaque utilisation, on va venir frotter les cordes avec ce chiffon pour venir enlever l'excédent de la colophane qu'on vient juste de voir. Dans le fond, qui va se déposer, qui va être comme une petite poudre qui va se déposer sur les cordes. Et le but ici, ça va être de l'enlever, enlever tout l'excédent pour garder nos cordes propres. Et évidemment, la table du violon, donc de tout laver l'excédent qui peut être tombé sur le bois. Donc un chiffon doux va être indispensable pour l'entretien du violon. Autre chose qui est très pratique à garder avec soi, donc dans notre kit de violon, c'est un accordeur. Donc un accordeur de ce type, donc qui va s'accrocher au bout du violon, peut être très pratique, mais vous pouvez également utiliser une application sur votre téléphone ou sur une tablette qui va fonctionner tout aussi bien. Donc le but ici, c'est d'être capable d'accorder son violon pour jouer juste, pratiquer avec un violon accordé, c'est beaucoup mieux. Donc un accordeur, un autre indispensable, mais pas obligatoire de l'avoir comme ça. Vous pouvez l'avoir également sur votre téléphone. Et tout ce beau matériel, faut bien le ranger à quelque part. Donc quelque chose qui va être très 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 pratique pour le transport de l'instrument avec tous les accessoires. Et ceci va être un étui rigide. Donc pourquoi rigide? C'est un instrument fragile, le violon. Donc faut vraiment y faire attention. Alors un étui rigide qui va être parfait pour protéger le violon va être génial. Et vous allez pouvoir également ranger tous les autres éléments à l'intérieur de cet étui. Donc un étui rigide ou un caisse de violon, vraiment indispensable. Le dernier accessoire que j'aimerais vous montrer pour le violon, alors c'est quelque chose qu'on va utiliser en fait comme table de travail. Donc c'est comme avoir un bureau où est-ce qu'on veut travailler à l'ordinateur. C'est le même principe ici, ça va être un lutrin. Donc le lutrin, on va s'en servir pour déposer ou bien notre iPad par exemple pour suivre les parties. Donc c'est vraiment un outil de travail indispensable puisque ça va être notre table de travail où nos partitions vont y être et on va pouvoir suivre les partitions. Et quelque chose de super important quand on parle de lutrin, c'est d'avoir un lutrin ajustable. Donc il y a des lutrins qui sont fixes, nous ce qu'on veut vraiment avoir c'est ajustable, donc on va pouvoir ajuster la hauteur selon la grandeur de la personne qui joue. Donc si vous êtes plus petit, plus grand, vous allez pouvoir ajuster la hauteur du lutrin à une hauteur idéale. Donc c'était tout ce que tu as besoin pour commencer à jouer du violon. Alors cette vidéo a été utile pour toi, je t'invite à aller voir dans la description où je t'invite à télécharger en fait mon guide du violoniste débutant où tu pourras trouver plusieurs exercices et plus de théorie en fait sur l'apprentissage du violon, les bases du violon, la théorie musicale. Donc je t'invite à aller chercher ça en description et c'est 100% gratuit. Donc tu peux aller chercher ça en description et tant qu'à être là, tu peux également t'abonner à la chaîne et liker la vidéo pour voir les prochaines vidéos. Donc,
On se retrouve très bientôt. Je te souhaite une bonne pratique.